Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va débuter dans quelques instants. Là. Il y a Mme Richard qui vient de parler, là, qui avait la difficulté à se connecter. On a deux personnes qui participent aussi, qui écoutent en direct la séance. Donc, dans les prochaines secondes, on va pouvoir débuter la séance publique. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du 3 août 2020. En mode webinaire, en mode visioconférence, donc diffusé en direct. Les gens peuvent nous suivre et ça va être aussi téléchargé sur le site web de la ville pour être consulté plus tard dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, je vais y aller sans plus tarder avec la lecture de l'ordre du jour de la séance de ce soir. Ça va comme suit. On a point 1, la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. Point 2, l'approbation du procès-verbal. On a 2.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020. Et 2.2, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juillet 2020. Dans les dossiers de mairie, la mairie en 3, on a une correspondance en 3.1. 4, dossier de la direction générale, on n'en avait aucun ce soir. 5, dossier de la trésorerie, on a 5.1, les comptes à payer au 31 juillet 2020. 5.2, l'état des activités d'investissement au 30 juin 2020. 5.3, le dépôt de l'état des activités de fonctionnement avec estimé budgétaire au 30 juin 2020. 6, dossier du greffe, il n'y en avait aucun. 7, dossier de l'urbanisme. 7.1, procès-verbal, la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 21 juillet 2020. 7.2, demande de dérogation mineure au 111 rue de l'Église. C'est les lots 3 887 456, 4 657 398, 4 657 399 et 4 657 400 consultations et décisions. 7.3, on a une demande de dérogation mineure au 690 boulevard Perron sur le lot 3 547 467 consultations et décisions. Ensuite, on a en 7.4, une vente de terrain dans le parc industriel sur la route Saint-Onge. 7.5, l'adoption du règlement 2020-340 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 8, dossier du développement économique et du tourisme. On a 8.1, les fontaines à boire pour parc public. 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, renouvellement du protocole d'entente pour la gestion des sentiers pédestres Carleton-Maria 2020-2022. 10, dossier des travaux publics. 10.1, appel d'offres pour finaliser les travaux de réparation de la route Beaulieu. 10.2, octroi de contrat pour une étude géotechnique pour le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts alimentant le camping municipal. 11, dossier de la sécurité publique, il n'y en avait aucun. 12, prochaine séance du conseil, aucun. 13 autres sujets, aucun. 14 tours de table du conseil, 15 périodes de commentaires et de questions. Donc, pour les gens qui assistent en direct, vous allez pouvoir poser vos questions à ce moment-là. Et 16 levées de la séance. J'ai besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par M. David Landry. Merci beaucoup. Ça nous amène au point 2. Approbation du procès-verbal 2.1, on a la séance ordinaire du 6 juillet 2020. L'ensemble des membres du conseil ont reçu le procès-verbal. Si c'est conforme à nos discussions et décisions, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 2.2, procès-verbal de la séance extraordinaire, cette fois-ci du 23 juillet 2020. Encore une fois, vous avez pu en faire lecture. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup. Dossier de la mairie, correspondance, c'est une lettre qu'on a reçue en 3.1 du ministère des Transports du Québec, le MTQ. À la dernière rencontre publique, on a déposé une résolution au MTQ leur demandant d'apporter des changements aux feux de circulation à l'intersection de la rue du Quai et de la 132. Cet été, là, vous l'avez peut-être constaté, là, on constate une nette amélioration de la fluidité de la circulation à l'intersection de la rue Comeau et de la 132. Donc maintenant, il y a deux programmations sur ce feu de circulation-là. Il y a une programmation pour l'été, puis une pour la période automne-hiver-printemps. En période estivale, le feu qui est sur la 132 est toujours vert plus longtemps, et le feu sur la rue Comeau et la période où c'est vert a été réduite. Donc, à partir de ça aide à la fluidité, puis en septembre, on retombe sur la programmation standard alors que les écoles sont ouvertes puis il y a plus de circulation sur Comeau. Et ce qu'on a demandé par résolution au ministère des Transports, c'est de faire l'analyse pour implanter ces mêmes changements-là à notre autre feu de circulation au coin Comeau, au coin du Quai et 132,
Et par lettre, ils nous ont dit qu'ils avaient bel et bien reçu notre résolution, que l'été prochain, donc en 2021, ils allaient procéder à l'analyse de la circulation dans ce secteur-là. Et s'il y a possibilité d'implanter, si c'est concluant, ben, à l'été 2022, donc dans 2 ans, ils pourraient implanter ces changements-là. Donc, d'un côté, c'est une bonne nouvelle là, de voir qu'ils ont pris notre demande et puis ils vont l'analyser avec le sérieux qui se doit. Mais d'un autre côté, on parle de 2 ans de délai pour modifier une programmation en flux de circulation. Donc, sûrement, je vais faire des représentations auprès du ministère pour essayer d'accélérer ce délai-là là, que je trouve un peu long pour une demande de la sorte. Mais somme toute, notre demande a été accueillie. C'est ce qui nous est dit dans cette correspondance-là. Voilà, il n'y avait pas de résolution pour ce point-là. C'est simplement pour une information. Ensuite, en 4, les dossiers de la direction générale, il n'y en avait pas pour ce soir. 5, dossiers de la trésorerie, on a les comptes à payer au 31 juillet 2020. Pour ce point-là, Mme Leblanc, va se retirer de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Donc, l'ensemble des membres du conseil ont reçu toutes les factures qui sont rentrées en date du 31 juillet et tout est conforme. Donc, si ça vous convient, ça ferait besoin d'un proposeur pour l'adopter et ensuite procéder pour payer ces fournisseurs-là. Proposé par M. Steven Parent. Merci. En 5.2, on a les états d'activité d'investissement au 30 juin 2020, donc les dépenses d'investissement qui ont été faites à la Ville. On en a pour un total en juin de 101 252 et 53. Essentiellement, les gros morceaux, on a le réaménagement qui a été fait, des petites modifications à l'intérieur de notre caserne pour le service incendie, des travaux de pavage qui ont été faits. Pour 41 302, c'est dans la rue Pichette qu'il y a eu des travaux de pavage qui ont été faits à ce moment-là. On a aussi un 3 016,87 $ pour le projet d'éclairage de trottoir de bois qui faisait partie du budget participatif. Au niveau de loisirs et de la culture, on a acheté un traceur pour les lignes, pour faire les lignes sur le gazon, sur l'herbe. Ensuite, un petit montant qui a été au terrain de balle de l'OTJ, là, qui est en train d'être fait complètement. Piste cyclable et aménagement au Parc des Horizons, on en a pour 31 298. Il y a eu la plantation d'arbres, l'ajout de mobilier, notamment dans ce secteur-là. Camping, agrandissement du camping, donc 31 298. Et, non, pardon, 56 849. Et on avait l'achat d'une voiturette de service là, qu'on avait passé à la dernière séance publique. On avait autorisé la dépense. Maintenant, ça se retrouve au tableau de nos dépenses en immobilisation, 10 092, une voiturette de service pour le camping. Donc, ça totalise 101 252, c'est-à-dire 149 615 de dépenses d'investissement pour le mois de juin dernier. Si ça va, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci beaucoup. Ensuite, en 5.3, on a le dépôt de l'état des activités de fonctionnement avec estimé budgétaire au 30 juin 2020. Donc, c'est un dépôt, il n'y a pas de résolution. C'est un exercice qui a été fait habituellement. C'est un exercice qu'on faisait au 30 septembre, qu'on est tenu de faire pour le 30 septembre. L'équipe a décidé de travailler pour avoir un aperçu, en fait, avoir une lecture précise de la situation financière à la Ville en date du 30 juin, ce qui nous permet de se réajuster à mi-année. Donc, on a 6 mois pour procéder à des ajustements s'il y a lieu. Ça a permis, en fait, de faire le tour, un bel exercice de réflexion avec l'ensemble du personnel cadre pour regarder les budgets respectifs des différents départements. Ça se passe bien. Je vous dirais que si la tendance se maintient, si les prévisions se poursuivent comme ça s'oriente, on se dirige vers un surplus en fin d'année. C'est ce qu'on prévoit faire aussi. Là, vous connaissez la situation financière à la Ville. On souhaite dégager des surplus en fin d'exercice financier pour diminuer notamment le service de la dette puis pour avoir un petit coussin financier de ce qu'on n'avait pas à la Ville. Donc, on est en train de se dégager un coussin, ce qui est bien. Donc, malgré toute la situation, les derniers mois avec la COVID, on a fait plusieurs scénarios. On se demandait comment ça allait se répercuter. Évidemment, l'année n'est pas terminée. Là, on a la moitié de fête, mais au niveau de la saison touristique, ça va bien. Nos grands postes de revenus, le camping notamment, bien, on prévoit qu'on va être en mesure d'atteindre les objectifs qu'on s'était donnés. Au golf, si ça se maintient, si la température est avec nous, on devrait avoir
un meilleur résultat que ce qui avait été prévu au mois de mars, même au budget. Donc, ça, c'est positif en ce sens-là. Il y a eu un gros écart, là, ce qu'on constate au niveau du Quai des Arts, dans les revenus et dans les dépenses, notamment la billetterie. Tous les revenus de billetterie, c'est une entrée de fonds, c'est un revenu pour la ville, mais c'est aussi une dépense parce qu'ils sont redistribués aux organismes. Donc, ça va avoir un impact sur les prévisions financières, mais c'est un revenu-dépense, un in-and-out en bon français. Donc, ça n'a pas d'impact sur le bénéfice en fin d'année. Mais donc, la situation financière à la ville se porte bien. On respecte le budget qui était prévu malgré ça. Donc, on va continuer à avoir une lecture serrée de la situation pour s'assurer d'arriver en fin d'année. On va voir là, ce qui peut impacter, là, entre autres, là, dans la fin d'année, il y a la neige, là. On a toujours un budget d'enlèvement de la neige, mais dépendamment de la date des premières neiges, c'est drôle de parler de ça au mois d'août, mais quand même, donc si on a des bonnes neiges en novembre ou en décembre, comme ça a déjà arrivé, bien, ça peut avoir un impact. L'utilisation de l'abrasif. Donc, on va suivre ça. Le golf avec la température, camping aussi, on ne sait pas encore pour le mois de septembre notamment. Mais pour le moment, c'est très positif à ce côté-là. Donc, c'est simplement un point d'information, un dépôt de ce document-là qui était fait au conseil ce soir. Donc, on pourrait passer au prochain point. 6, c'est le dossier du greffe, il n'y en avait aucun. En 7, dossier de l'urbanisme. 7.1, on a le procès-verbal de la réunion du comité consultatif du d'urbanisme. Le comité s'est réuni le 21 juillet dernier. Donc, dépose le rapport qu'on a reçu. C'est simplement un dépôt qu'on fait ce soir en séance publique. Ce qui touche le comité, on a 7.2, une demande de dérogation mineure qui a été traitée le 21 juillet. Pour le 111 rue de l'Église, il y a différents lots, 3 887 456, 4 657 398, 4 657 399 et 4 657 400. Consultation et décision. Donc, sur ce point-là, je vais laisser M. Audette nous le présenter. Si les gens qui assistent en direct avec nous ont des questions particulières sur ces points-là, on va pouvoir les prendre maintenant. Pour les questions d'ordre plus général, ben, on les prend comme à l'habitude à la fin de la séance. Je vous laisse aller, M. Audette. Le micro est fermé. Désolé. Donc, voilà, c'est là. Excusez-moi, je me réorganise. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui consiste simplement à faire accepter la réduction de la superficie et de la profondeur d'un emplacement qui serait respectivement de 1430,1 mètres carrés et 40,26 mètres, alors que le règlement zonage prévoit une superficie minimale de 1447 mètres carrés et une profondeur minimale de 40,93 mètres carrés. Donc, on voit là au niveau des données, on est vraiment très près, là. Il y a 3 mètres carrés de différence environ et 0,63 mètres. Donc, c'est une demande, dans le fond, là, pour permettre au propriétaire d'acquérir, dans le fond, là, de vendre à son voisin un bout de terrain qui contient ses installations septiques. Donc, c'est une dérogation qui viendrait régulariser les installations septiques là, de la propriété voisine. Et voilà. Et bien sûr, c'est soumis au comité consultatif d'urbanisme. Et ça a été recommandé là, au conseil d'accueillir favorablement cette demande de dérogation mineure. Pour les gens qui participent à la rencontre là, en direct, si vous avez des questions en lien spécifiquement avec cette demande de dérogation mineure-là, vous pouvez les adresser maintenant. Je comprends qu'il peut y avoir des délais là, avec le clavardage. On pourra toujours revenir en fin de séance s'il y a d'autres questions. Je vais vous donner un petit instant là, si vous voulez me les poser. Sinon, donc la demande, comme M. Audet l'a mentionné, a eu un appui favorable du comité consultatif d'urbanisme. Puis ça régularise une installation septique d'un voisin. Donc, un conseil, si vous êtes favorable, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Oh. Proposé par Mme Leblanc, c'est bien ça? Ensuite, on pourrait passer au prochain point, qui est la vente, une autre demande de dérogation mineure, cette fois au 690 boulevard Perron, sur le lot 3 547 467. Je laisse aller M. Audet avec la présentation de ce point-là. Oui, donc c'est comme vous l'avez dit, une demande de dérogation mineure. Cette demande-ci,
consiste à accepter une marge latérale du bâtiment principal qui est de 1,38 m, alors que le règlement zonal prévoit une marge latérale de 1,5 m. Donc, c'est tout simplement le cabanon derrière la maison est à moins de 1,5 m de la propriété voisine, telle que prescrit dans notre réglementation. Donc, cette situation-là est existante depuis 1959. On considère qu'elle n'aura pas d'impact là, nécessairement. L'acceptation de cette dérogation-là n'aura pas d'impact sur les voisins. Puis aussi, ça a été soumis au comité consultatif d'urbanisme qui fait une recommandation favorable, pardon, au conseil pour accepter la dite demande de dérogation. Si vous avez des questions pour les gens qui assistent en direct à la séance, vous pouvez les poser dans la partie questions-réponses. Ils ont fait plaisir d'y répondre. Pour situer les gens, c'est la maison qui est tout juste à l'est de l'épicerie métro, là, du côté nord de la 132. Donc, voilà, pour la dérogation, on parle d'environ 15 cm là, qui est dérogatoire. Si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter. C'est proposé par Mme Marie-Hélène Richard. Merci beaucoup. Prochain point, on serait à 7.4, vente de terrain pour le parc industriel sur la route Saint-Onge. Donc, la vente de terrain se poursuit dans ce secteur-là. Depuis quelques mois, on a des demandes. Et puis, là, on a M. François Boudreau qui veut implanter, faire une petite exploitation d'une scierie. Donc, le prix est fixé, comme pour les autres terrains, à 15 cents le pied carré. C'est vraiment un montant qui est incitatif pour accueillir des gens pour remplir ce secteur-là. Ce qu'on demande, les propriétaires, les acquéreurs de terrains ont l'obligation de construire un bâtiment sur ces terrains-là, en tout cas, notamment dans celui-là, qui est de 120 984 pieds carrés. Donc, il doit se faire un bâtiment d'une valeur minimale de 50 000 $ sur le terrain, ce qui va apporter évidemment un revenu de taxation qui dynamise un peu le secteur. Donc, c'est un montant total de 18 147,64 plus les taxes pour un terrain de, je le mentionnais, de 11 239 m². Ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter cette résolution. Proposé pour M. Turcotte. Merci beaucoup. Ensuite, en 7.5, on a l'adoption du règlement 2020-340 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. On l'a présenté, là, c'est la troisième fois qu'on en parle en séance publique. C'est vraiment un règlement qu'on met en place qui a été fait, on l'a constaté là, dans les dernières années, notamment l'hiver, qu'il y avait des enjeux de réglementation, de signalisation pour les motoneiges. Et puis, on a aussi des demandes qui sont venues des deux clubs, tant du club de motoneige que du club de VTT. L'objectif, c'est de venir permettre la circulation de VTT ou de motoneige dans certains secteurs, certains tronçons de la ville, qui sont essentiellement les tronçons où il y a les circuits, les pistes de VTT et de motoneige. Donc, pour relier les hôtels, pour relier les postes d'essence. Et on a ajouté à ça deux secteurs qui, à notre avis, méritaient d'être régularisés. Il y a la route Saint-Louis qui, historiquement, depuis des années, il y a des gens à VTT, à motoneige qui circulent sur ce chemin-là. Donc, on a voulu le permettre. Et sur la rue de la Montagne pour régulariser. Donc, ça va venir évidemment avec la signalisation pour permettre les motoneiges en période hivernale de circuler sur la rue de la Montagne. C'est à partir du fer à cheval. Donc, le sentier de motoneige se rend là. Et puis, les gens qui veulent aller à leur chalet sur la montagne vont pouvoir le faire en motoneige. Puis, on va s'assurer que ça se fasse dans le respect des usagers, des gens qui vont à pied ou en raquette au sommet aussi. Donc, l'objectif, c'était de régulariser cette situation-là qui était problématique pour que tout le monde puisse savoir un peu comment ça fonctionne. Mais on va mettre de l'affichage pour s'assurer que ça soit fluide. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter ce règlement. Proposé par M. Steven Parent. Merci beaucoup. En 8, un dossier du développement économique et du tourisme. On a 8.1, fontaine à boire pour les parcs publics. C'est une résolution pour autoriser une dépense de 18 709,88 taxes incluses pour faire l'installation de trois fontaines d'eau dans trois de nos parcs à la municipalité, le parc Germain-Des-Lauriers,
La fontaine, vous le savez, là, était vraiment fin de vie utile, on peut dire ça comme ça. Parc des Horizons et Parc La Grande Envolée. On installe des nouvelles fontaines d'eau qui vont permettre aussi aux gens de remplir leurs gourdes. Donc, c'est important d'avoir ces équipements-là qui permettent de remplir les gourdes. Ça fait partie de notre stratégie de réduction de l'eau potable pour encourager les gens, notamment, à réduire l'achat de bouteilles d'eau. Et c'est quand même des fontaines là, qui sont à autour de 5 000 l'unité, mais qui vont. C'est un mobilier qui va durer longtemps et qui va nous répondre à ce besoin-là et cette demande qu'on avait. Donc, ça serait financé. Dans la présente résolution, on autorise la dépense de 18 709,88, comme je le mentionnais, puis on le financerait à même le règlement d'emprunt 2016-281 du LEG du 250e de la Ville. Donc, il y avait un petit solde sur ce règlement d'emprunt-là qui servait notamment à aménager ces parcs-là. Donc, on va pouvoir l'ajouter. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Ensuite, on a en 9, le dossier de loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, renouvellement du protocole d'entente pour la gestion des sentiers pédestres. Donc, on a une entente conjointe Carleton-sur-Mer, Parc du Mont-Saint-Joseph et la municipalité de Maria pour la gestion de nos sentiers pédestres. Les sentiers ont été historiquement construits avec différents projets par la ville, par les deux villes. Puis maintenant, on est à une nouvelle entente de 3 ans avec le Mont-Saint-Joseph, c'est la deuxième entente qui gère ces sentiers-là, qui fait l'entretien et la mise à niveau. Et puis, ce qu'on vient préciser dans l'entente un peu, c'est les responsabilités partagées. Là, c'est une entente de 21 000 $ qui est répartie deux tiers, un tiers entre Carleton-sur-Mer et Maria. Et puis, on se répartit de l'entretien. Puis, si jamais il y a des bris majeurs dans les réseaux, par exemple, ce qu'on a vu là, dans le secteur de l'Éperlan, pour ceux qui sont familiers, il y a eu des bris plus importants, bien, c'est à l'extérieur de l'entente. Mais là, la municipalité, il y a des discussions qui ont cours avec la corporation. Puis ensuite, on détermine si oui ou non on fait des interventions dans ces secteurs-là. Ce qu'on a venu aussi préciser, c'est le secteur du MIUS, donc les sentiers qui sont... historiquement, pour le commun des mortels, qui font un peu partie du réseau de la municipalité de Maria, mais qui, sur papier, sont dans les limites territoriales de Carleton-sur-Mer. Donc, il y avait des installations importantes là, qui sont sur nos limites municipales, mais qui ont toujours été entretenues et qui ont été construites à l'époque par la municipalité de Maria. Donc, on est venu clarifier dans l'entente. C'est Maria qui s'engage à faire des rénovations s'il y a une mise à niveau importante à faire là. Pour le reste, l'entretien régulier, la préparation des sentiers en début de saison, bien, ça se fait sur l'ensemble du territoire, puis c'est compris dans cette entente-là. Puis il y a aussi la promotion qui est comprise dans l'entente, qui est faite par le parc du Mont-Saint-Joseph. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour ratifier le protocole, puis pour autoriser Pascal Alain et moi-même à signer le dit protocole. Proposé par Mme Marie-Hélène Richard. Merci beaucoup. En point 10, on a les dossiers des travaux publics. 10.1, on a un appel d'offres pour finaliser les travaux de réparation de la route Beaulieu. Suite, vous le savez, il y a des travaux qui ont été faits à la route Beaulieu pour sécuriser la route. Il y avait comme deux parties, là. La première partie, c'était vraiment l'enrochement pour empêcher à la route de continuer à se dégrader. Les travaux ont été faits. Maintenant, on doit finaliser ça. Et pour ça, bien, ça prend une autorisation. Avec la présente résolution, on donnerait l'autorisation à notre directeur des travaux publics de procéder à un appel d'offres pour aller chercher, pour recevoir des propositions pour réparer, bien, pour compléter les travaux qui étaient prévus. Ces travaux-là seront faits conditionnellement à l'approbation du ministère de la Sécurité publique parce qu'on s'attend à avoir du financement pour payer les travaux du ministère de la Sécurité publique. Donc, on veut s'assurer qu'il s'engage à payer une partie de ces dépenses-là qui sont arrivées parce qu'il y a eu une augmentation du flot d'eau dans la rivière, ça a créé cette situation-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter la résolution. Proposée par Mme Leblanc. Merci beaucoup. 10.2, octroi de contrat pour une étude géotechnique pour le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts alimentant le camping municipal. J'ai mentionné à plusieurs reprises là, dans les dernières rencontres publiques, là, On a des problèmes avec le réseau d'aqueduc et principalement d'égouts là, qui alimentent le camping. Ce qu'on souhaite faire, c'est donner un mandat. Là, on a déjà une première étape d'étude qui a été faite par la firme Arpo.
Et puis là, on est rendu à la deuxième étape qui est de donner un mandat à une firme, à la firme Englobe, qui est de 17 285 plus les taxes, pour faire une analyse plus approfondie des sols dans le secteur du banc, parce que les conduites d'égout, ils partent évidemment du camping, ils passent sous le goulet, donc la section où les gens, entre autres, il y a des gens qui vont pêcher le bareiller, et ensuite, elle remonte, puis l'ensemble des conduites passe sur le banc de Carleton ou le banc des maisons. Là, on va passer à la marina, puis on va aller se connecter sur le réseau, la station de pompage qui est tout près de la brûlerie du quai. Donc, on doit refaire la partie de conduite qui passe sous l'eau. Et puis, pour ça, ça prend des études de sol géotechnique. Donc, on aurait besoin d'une proposition pour donner le mandat à la firme Englobe pour procéder. Proposé par M. David Landry. Merci beaucoup. En point 11, dossier de la sécurité publique, il n'y en avait pas. Point 12, la prochaine séance du Conseil aura lieu le 14 septembre prochain, idéalement en présentiel, donc directement, on devrait être en mesure de vous accueillir. On souhaitait le faire ce soir, ça n'a pas été possible. Question de logistique, là, notamment parce que notre salle habituelle, la salle du Conseil municipal, la salle de la Voie-Saint-Laurent, est trop petite pour accueillir, pour maintenir le 2 mètres de distanciation. Et on avait regardé, bien, on souhaitait tenir la rencontre à la salle Charles Dugas, qui est beaucoup plus grande, mais elle est occupée en ce moment par le camp de jour, le jour. Donc, ça devenait compliqué de réaménager cet espace-là pour la séance du conseil. Mais à septembre, on devrait être en mesure de tenir une séance en public et possiblement aussi par Zoom, comme on le fait à l'heure actuelle, en même temps. Donc, on garde ces options-là, mais assurément, la séance aura lieu le 14 septembre prochain. S'il n'y avait pas d'autres sujets de votre part, même du conseil, on pourrait passer un tour de table du conseil, si vous souhaitez dire un petit mot. Je vais passer la parole à tour de rôle, comme je vois à l'écran. Donc, M. Turcotte. Bonsoir tout le monde. Rien de spécial, juste vous souhaiter un bon mois d'août, un bon été. Merci. Merci, M. Turcotte. Madame Leblanc? Oui, je suis très fière d'annoncer qu'on a battu une journée record au niveau du golf le 28 juillet, 192 golfeurs dans une seule journée. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Fait que j'étais très content, bien sûr, quand on a su cette bonne nouvelle-là. Et surtout, ben, on vous invite, bien sûr, à continuer à venir nous voir au golf, le terrain est beau et surtout que nos verres sont exceptionnel, c'est de toute beauté. Et en même temps, on a un fichage de poste pour un préposé à l'accueil. Ça nous prend une personne qui est très dynamique, qui a le goût de travailler en équipe et tout, mais c'est pour une durée environ 5 semaines. Mais par la suite, cette personne-là, ben, ça a le goût sans doute qu'on va avoir besoin d'elle encore pour normalement l'an prochain. Fait que, merci beaucoup. Merci, Mme Leblanc. Monsieur Parent? Rien pour moi ce soir. Je souhaite à tout le monde un beau mois d'août, moi aussi, puis un été qui se déroule très bien et en toute sécurité. Merci. Monsieur Landry? Ça dépend à quel. Jean-Simon, que je voyais, là, que j'ai, pardon. Merci, David, de me laisser la place. D'abord, désolé pour mes teintes de gris. Je suis un peu à monochrome. L'absence de présentiel ou le télétravail me permet de travailler à l'extérieur, donc je manque un peu d'éclairage. Comme M. le maire l'avait expliqué à la dernière rencontre publique, on avait eu une rencontre avec le ministère des Transports du Québec, une rencontre où personnellement je n'étais pas puisque j'avais une contrainte, mais on s'était engagé lors de cette rencontre-là à faire un retour dans les prochains jours, là, au ministère des Transports, selon notre lecture de leur proposition, puis qu'est-ce qu'on souhaitait voir éventuellement dans ce projet-là. Donc, on a fait une rencontre, M. Audette, directeur, service d'urbanisme, puis directeur des travaux publics, M. le maire et moi-même. On a regardé ça, et puis on a mis nos priorités de l'avant dans ce dépôt-là qu'on fera au cours des prochains jours au ministère des Transports. Donc, très intéressant, puis éventuellement, dans le projet qui verra le jour d'ici quelques années, le plus rapidement possible, nous le souhaitons, il y aura un partage des installations pour tout type d'usagers. Donc, pensons aux piétons, cyclistes et automobilistes. Puis la raison que je vous parle de ça, c'est que
présentement, on fait avec ce qu'on a comme installation. Et puis, au cours des derniers jours, notamment cet après-midi, j'ai pu constater des situations parfois dangereuses à travers les différents types d'utilisateurs. Et ce n'est pas toujours la faute des automobilistes. En tant que cycliste, en tant que piéton, on a également un certain niveau de conscience à avoir de notre environnement, pas nécessairement rouler à l'envers du trafic, de rentrer dans des entrées. Je suis souvent dans le secteur du métro et c'est parfois plutôt cataclysmique. On s'en sort pour l'instant sans accident, mais simplement un rappel à la prudence, aux règles de base et à la courtoisie. Donc, voilà. Peut-être que la prochaine fois, je serai en couleur, mais pour l'instant, je vous souhaite une bonne soirée en monochrome. Merci, Madame Richard. C'est vraiment drôle, Jean-Simon, je voulais un peu parler de la même chose que toi parce que j'ai passé à Carleton aujourd'hui, mais plus dans le secteur du Rossi pour dire quelque chose. Et c'était quand même très difficile, je voulais dire aux gens de faire attention, d'être courtois, autant cycliste, piéton et conducteur. Tu sais, souvent laisser les gens passer, on le sait, on n'a pas beaucoup de traverses piétonnières. Fait que, de toute façon, ça n'ira pas plus vite. Il faut faire avec les installations qu'on a, donc soyez prudents, mais profitez-en. Hein, on vit dans un vraiment beau coin pour ça, par contre. Puis aussi, avec la petite pause qu'on a eue la semaine passée, avec le contexte du COVID, ben, je vous invite à continuer de faire vos gros efforts, mais je pense qu'on est très bon là-dedans. On travaille très fort pour nous garder sans COVID. Donc, continuez vos beaux efforts malgré l'achalandage et l'augmentation touristique. Merci, Mme Richard. Monsieur Landry, David, cette fois. Oui, rien de spécial, mais comme mentionné auparavant, restez prudent dans le temps de l'été. Fait que joyeuse fin d'été. Merci. De mon côté, période estivale un petit peu plus ralentie, j'en profite pour recharger. Et puis, cette semaine, je vais avoir dans mes démarches politiques, là, on a une rencontre de prévu avec la ministre du Tourisme à Gaspé. Donc, on va pouvoir échanger sur la présente saison qui, de notre côté, je le mentionnais tout à l'heure là, quand je parlais un peu du bilan financier en date du 30 juin qui se porte bien. Mais il faut quand même se rappeler que le début de la saison, le printemps, était difficile pour nos entreprises, pour notre industrie qui est beaucoup fondée sur le tourisme. C'est une industrie saisonnière. Au niveau de la restauration, de l'hôtellerie, entre autres, ça a été difficile. Et puis, il faut aussi prévoir l'automne. Donc, on va s'assurer avec la ministre de qu'il y ait des initiatives qui soient mises en place ou s'assurer qu'elle comprenne bien la situation de nos entreprises ici sur le territoire pour éventuellement venir les aider pour s'assurer qu'ils puissent être maintenus puis prospérer pour les prochaines années. Avant d'aller à la période de questions et de réponses, je reviendrai sur deux points. Sur deux, de me mentionner qu'il n'y avait peut-être pas eu de proposition, là. Juste pour être certain, là, donc le point 7.2, demande de dérogation mineure au 111 rue de l'Église. J'aurais besoin d'un proposeur pour cette résolution-là. Madame Richard propose. Et même chose pour le point 7.3, demande de dérogation mineure au 690 boulevard Perron, le lot 3 547 467. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Turcotte propose. Donc, on va s'assurer de faire le tour en bonne et due forme. Si ça vous va, donc, on pourrait passer à la période de commentaires et de questions. Si les gens qui sont avec nous présentement en direct souhaitent nous poser des questions, c'est le moment dans la partie questions-réponses, vous pouvez le faire. Et puis, vous pouvez toujours en poser entre les séances aussi. On n'a pas eu de questions spécifiquement à répondre là, qu'on a reçues dans les derniers jours pour ce soir. Donc, si j'en ai pas, ben on pourrait passer à la levée de la séance. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'été. Le mois d'août est encore très achalandé. Et puis, on se revoit en septembre avec la rentrée scolaire, la reprise des activités pour plusieurs. Donc, on pourrait procéder à la levée de la séance. J'ai besoin d'un proposeur pour lever la séance. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous tous. Bye bye.